Et en général, le DJ Gay ne plaisante pas. Tais-toi. Tous les samedis soirs, je voulais faire la fête avec mon super pop. Parfait, parce que soudain dans une boîte j'entends un beat trop super. Des disques qui glissent sur des platines dans un moment de colère. Je me suis rapproché, attiré par la musique. Quand soudain elle m'a capté et s'est mis à penser que ses mains allaient dans tous les sens sur des points de repère. Soudain mon corps était en transe, c'était un DJ d'enfer. Je ne savais plus me retenir, mais j'en commençais à trembler. Et pour la première fois de ma vie, je me suis mis à mouver. C'était un move de la mort, un plaisir sans limite. Oui, vraiment, c'était trop fort ce mélange de funky beat. Puis la musique a stoppé, je me suis senti perdu. Je ne voulais plus m'arrêter, je voulais que ça continue. Mais déjà, c'était reparti dans une ambiance de tonnerre. Non, jamais je n'avais vu ça, c'était un DJ d'enfer. Je parie même qu'il aurait fait avec les yeux fermés. Toutes les go étaient KO et il en était fier. Mais moi je le respectais après ce qu'il venait de faire. Car il ne fait pas tout ça pour gagner de l'argent. Il fait ça avec plaisir, pour lui c'est un jeu d'enfant. De tous les DJ, c'est celui que je préfère. Son nom à lui c'est Derek et c'est un DJ d'enfer. Yeah, yeah. Fait.